Attends, je vais aux toilettes. Vas-y. Tu touches pas à mes frites, hein. Ok. Promis ? Promis. Je peux te faire confiance ? Oui. Pourquoi ? On est des potes, mec. C'est vrai. Comment j'ai pu douter de toi ? Avec toi, c'est à la vie à la mort, mon pote. On est seul contre tous. C'est que je n'ai rien à tuer pour toi. Non, je te fais pas confiance. Mais toi, tu respectes vraiment pas l'amitié, toi. 10,5 types de potes avec lesquels il ne faut jamais manger. C'est parti. Celui qui est têtu. Attends, tu manges pas les olives? Non, j'aime pas ça. Mais t'as déjà goûté? Non, mais j'aime pas ça. Mais comment ça, tu peux pas dire non, j'aime pas si t'as pas goûté? Mais prends-en une. J'aime pas. Mais goûte une. Mais j'en veux pas. Ça va te faire quoi? Mais goûte une. Mais j'en veux pas. Alors? Finalement, c'est pas mal. Voilà. Faut jamais dire non avant d'avoir goûté. C'est vrai. Sinon, t'as déjà embrassé un garçon? Le partageur. C'est bon, hein? Délicieux. Franchement. Moi, si j'avais une part de pizza, j'aurais partagé avec toi. Parce que moi et toi, on est amis. Entre amis, ça se partage, frère. Ouais. Dommage que t'as pas une autre part de pizza. J'ai encore faim, moi. Celui qui sait manger avec des baguettes. Regarde-moi ces belles baguettes, qui sait qui les tient? Ah, t'as la haine, je sais manger avec des baguettes et pas toi. Baguette, baguette. Ouais, mais là, en l'occurrence, tu manges une pizza, donc je vois pas le rapport. Hollywood! J'ai un coup de main? Mentalité japonaise, mec. J'ai plus faim. Celui qui a des principes d'hygiène. Ah, mais j'allais pas la manger, hein. Non, je vais la mettre à la poubelle, parce que c'est sale. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Le malhonnête. C'est bon moment, j'ai découpé la pizza. Ah les bâtards, ils appellent ça une 4 personnes. 15,90€ mec. Y'a des gens, ils ont pas d'âme. Celui qui a aussi d'autres principes. Ah mais j'allais pas la manger hein. Non, je vais l'acheter à la poubelle. Parce que c'est dégueulasse. Allez. Goodbye, my lover. Celui qui a trop l'habitude des restos. Je veux boire un truc. De le plat du robinet en carafe. Excuse-moi. Ah, c'est l'habitude de manger au resto. Non, mais je comprends, mais c'est le problème. Non, mais non, un coquin, c'est à ça. Avec un panier de pain, s'il vous plaît. Vous prenez les tickets restaurant, du parmesan gratuit. Celui qui n'a pas tant de principes que ça, en fait. Oh, c'est quelqu'un qui a jeté ça? Ah, mais les gens sont trop cons, ils jettent tout. Celui qui a des croyances bizarres. Oh, dans ma croyance, il faut d'abord faire une méditation avant de manger. Allez, on ferme les yeux. Donnez-moi la main. Et vous répétez après moi. C'est un peu long ton truc là. Hein. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Mais elle est où la bouffe là? Oh, c'est incroyable! Le cheval à deux têtes a accepté nos prières. Le cheval à deux têtes, arrête-moi! Le cheval à deux têtes! Celui qui fait gaffe à son alimentation. Et franchement, tu me dégoûtes. Comment tu peux manger ça? C'est super gras, c'est huileux. Si tu continues comme ça, là, dans un an, tu vas finir avec le cholestérol. Dans deux ans, tu auras les artères bouchées. Et dans trois ans, tu seras en train de présenter une émission de foot sur Canal+. Mais non, t'inquiète. J'ai pris du coca zéro. Ça annule. Toi, tu lis pas les bons bouquins, toi. C'est dégueulasse, mais ça annule. Le relou. Mais qu'est-ce que tu fais, là, mec? Tu sais que moi, j'aime pas la sauce. Pourquoi t'en la mets partout? Mais ben, j'en veux plus. T'es un bouffe, là, maintenant. Ouais. Du coup, je peux récupérer ta voiture? Le blagueur! Eh, dis donc, tu voudrais pas un peu de pizza avec ton sel, là? Parce que là, vu la quantité, là... Non, j'aime pas quand c'est trop pizza. Bon appétit, hein. Merci. Celui qui a un régime très spécial. Tu veux une part? Non, merci. Je pratique le tai chi. Je me nourris exclusivement d'odeur. Là, t'es en train de me sentir, là, tu... Je vais lire un bouquin. Allez, le tai chi à l'ancienne. Mais t'es complètement fou en fait. Je suis tai chi. Le malade. Tu vas me goûter une petite tarte au dain? C'est super bon ça. Non merci, je suis diabétique. Mais juste une part, ça va pas te tuer. Allez. Le chat là, tu sais, c'est là. Reviens. Oh putain. Oh, j'ai cru qu'on t'avait perdu mon gars. Oh, j'ai eu ma vie défilée. Oh, je m'en bats les couilles, c'est trop bon.
t'as kiffé ou que t'as reconnu des potes, tu peux mettre un j'aime. Tu connais les bails du YouTube game. Dans les commentaires, j'aimerais savoir quel est ton plat préféré. Et passons tout de suite au top commentaire. Ma pire journée, c'est quand je me suis fait choper par le propriétaire du verger d'orange en train de voler avec mes cousins en bled. Attends, mais alors c'est toi? Non, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. Je me suis fait flasher 2 jours après avoir eu mon permis. Je me suis fait chier dessus par un pigeon. Ça va, si c'est qu'un pigeon, ça passe, non? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu kiffes ce que je fais. On va arriver bientôt à 400 000 abonnés. Je vais vous préparer un truc sympa. Franchement sympa. On se voit à la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Merci. Oh, oh, je suis bien.